I was dying to ask a question, and I was trying to think how to ask it. The gentleman, Aristotle Onassis, is a mutual friend, he's a good friend, and I think he's a delightful man. And I wondered what you thought were his greatest qualities. Oh, you can ask. We're the finest of friends. I've always said that, and I'm quite sure that he considers me his best friend, and that's a lot in life. He's charming, very sincere, spontaneous. So these are qualities that are very good. Absolutely. When did you first meet? A long time ago? 1957, I think, in Venice. And we were on the beach and we met, and we became fine friends, and we stayed, and we will be. Fine. All our lives, we hope. C'est le destin qui a fait naître mon amitié avec Aristo. J'ai fait cette croisière sur la Christina, surtout pour faire plaisir à mon mari, qui avait très envie d'y aller. Baptiste ne s'intéressait qu'à l'argent et au statut. Que fait-on lorsqu'on ne peut plus avoir confiance en son mari? Je considérais Meneghini comme un écran pour moi, qui me protégeait du monde extérieur. C'est ce qu'il faisait au début, jusqu'à ce que ma célébrité ne lui monte à la tête. Baptiste aurait dû utiliser plus de diplomatie dans ses négociations avec les théâtres, et j'ai dû en payer les conséquences. C'était le début de la fin de notre mariage. Ce n'était pas Onassis et pas l'argent. Dès le début de la croisière, j'ai compris qu'Aristo était le type d'ami que je recherchais. J'étais très impressionnée par son charme, mais surtout par sa puissante personnalité et la façon qu'il avait d'attirer l'attention de tout le monde. Non seulement il était plein de vie, mais c'était une source de vie. Après une longue dispute plutôt énervante avec mon mari, je me suis levée et suis allée sur le pont prendre l'air et chercher la solitude. Je croisais Aristo qui contemplait la mer sombre. Je suis sûre que notre amitié est née à ce moment-là. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti jusqu'alors, dont j'avais si urgemment besoin. Il m'a libérée. Je me suis sentie très féminine avec lui. Et j'en suis arrivée à l'aimer très fort.